Yokoso, c'est Mana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur Final Fantasy VII Rebirth. Cette série aura pour but de vous montrer tous les mini-jeux comme le piano, le jeu de cartes, et ainsi de suite. Pour le piano, ça sera les parties de musique qu'on peut retrouver dans différentes régions, en full excellent, ainsi que le tempo 3. Ayant pas encore terminé l'aventure, comme je suis qu'au chapitre 4, les vidéos sortiront de temps en temps quand que j'aurai l'occasion de vous le faire. Même si je n'ai pas fait de let's play, je me suis dit pourquoi pas, je vais vous montrer ça, comme ça peut-être que ça pourra vous aider dans votre partie. En attendant, j'espère que ça va pouvoir vous aider et que vous allez apprécier. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis Diana. Je vais lui montrer un peu comment on joue vraiment Queen's Blood, moi. Voilà enfin un type qui pourrait faire l'affaire. Moi, c'est Cameron le voyageur. Je parcours le monde entier à la recherche des meilleurs joueurs de cartes. J'ai escaladé les montagnes, franchi les fleuves et traversé les plaines. Alors que je communiais ainsi avec la nature, le véritable esprit du Queen's Blood a fini par se révéler à moi. Et tu vas avoir la chance de le découvrir toi aussi. Bon. J'espère que t'es prêt à m'affronter. Jouer ensemble. C'était quoi? Ça recommence. Encore cette fois. Se pourrait-il qu'il soit de retour? Non, ça ne se peut pas. Ce n'est jamais qu'un simple jeu de cartes.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut que je leur dise. Je dois leur révéler ce qu'est le Queen's Blood. Qu'est-ce que t'as ? T'étais tellement transporté par notre partie de cartes que t'as eu des visions ou quoi ? À ta tête, on dirait même que t'as vu un fantôme. Tiens, d'ailleurs, il y a une rumeur de ce genre au sujet de Lydrel Balmont, l'historien qui a créé le Queen's Blood. Il aurait prétendu entendre d'étranges voix tout de suite après la mise en vente de son jeu de cartes. Par la suite, il a cessé de donner des nouvelles de lui, jusqu'à ce qu'on le retrouve mort tout seul dans sa maison. Ceux qui ont complètement perdu la boule à cause de ce jeu ne sont pas rares. C'est la preuve qu'il est fascinant à plus d'un titre et recèle de nombreux mystères. Jouer contre toi m'a aidé à découvrir de nouvelles facettes du Queen's Blood. Ça m'a ouvert les yeux. Je te remercie.